Salut à toutes et à tous et bienvenue dans C'est parié près de chez vous, la séquence ludique, sympathique et légèrement putaclic de Winamax. Aujourd'hui, on est à Amiens pour parler du match que vous attendez tous dimanche soir à 21h, Amiens-Marseille. Ah Amiens, sa chaleur humaine, son histoire, ses tueurs en série. Ah Marseille, sa chaleur, son histoire, ses règlements de compte. Alors qui mieux que les Amiennois peuvent vous donner les bons tuyaux pour bien parier sur ce match Amiens-Marseille? Bah les Amiennois, gros nigo. Eh ouais. C'est la Ligue, Amiens c'est la Ligue. Ça va être un beau match. Très bien, ouais. Ça c'est sûr. Parce que ouais. C'est deux belles équipes. D'un côté il y a le Barça, de l'autre côté il y a un peu le Real. C'est une blague. C'est une grosse blague alors. S'il y avait un pronostic pour vous, combien? 2-1 pour Amiens. But 2. Bah, Konaté il est pas mal. Hein. Pas mal Konaté. Ouais, il est pas mal. Physiquement déjà. Ouais, physiquement. Vous lui ressemblez, il y a un petit truc. Hein. Mais moi je suis pas joueur de foot. Hein. Vous faites quoi dans la vie vous? Ah, je suis chauffeur de car. C'est pas vrai. Oui. On a le car de l'Amiens, c'est chez nous. On emmène aussi les joueurs. Hein. Vous voyez les coulisses un petit peu, vous voyez les joueurs. Tout à fait, tout à fait, oui, qu'est-ce qu'ils font dans le car? Est-ce qu'ils se piquent? Vous ne saurez rien. Pas. Un peu feignants, mais ils sont gentils. Ah bah c'est les joueurs de foot. Hein. Ils picolent beaucoup hein, quand même. Ah bah c'est des alcooliques tous. Hein. Ah ouais, mais sinon, il n'y aurait pas de café à Amiens, voyons. Non, mais le Nord sans alcool, c'est pas le Nord quoi. C'est un peu les Maldives sans la plage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc 2-1 pour Amiens. Il y a un morceau de béton qui arrive vers vous. Ah là. Ah bah c'est les gilets jaunes. Ils nous font chier depuis une semaine, on peut pas bosser. Ils sont sympas les prolos, ils sont sympas les prolos. Le prolo est sympa. Oui, oui. Un petit pronostic là. Amiens OM, dimanche soir 21h, c'est pour Winamax. Pour qui? Partout. C'est une blague, ça va, on peut rire. But de qui? Mon conduit. Je sais même pas qui c'est. Mon conduit, mais c'est un nom de plombier ça. Il est joueur de foot lui? Oui, il est milieu de terrain. Et pour l'OM? Payet. Ah, il y a votre ex. Salut Jean-Louis. Ouais, il est bon lui. Ta 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 ta. Un petit pronostic pour Amiens OM. 2-1 pour Amiens, monsieur. But 2. Allez, mon conduit, deux fois. Il en met deux, ouais, ouais, carrément. Et pour l'OM? Allez, Tovin. Allez, c'est qui? Ça vous fait rire, monsieur? Bah nous, on n'est pas d'ici, hein. Vous êtes d'où, vous? Tour. Ah, vous avez coincé l'autoroute, du coup, vous avez fait le tour, et vous êtes arrivé à Amiens. C'est ça, monsieur. Et voilà, merci les gilets jaunes. Enfin, orange, c'est pareil. Ah, je crois que c'était un landau. Il est gros, le bébé. Et Jacques, là, maman. Amiens Olympique de Marseille, un petit pronostic pour nos amis de Winamax. Le score, combien? 3-1. Ah, carrément? Ou bien 4-3. Ou bien 4-3, ça y est, il est en Syrie, l'autre. Allez, il est paf! Et but de qui? But de qui? Ah, bien marqué, on m'a dit Rami. Mais va marquer. Paf, la tête! Voilà. Ouais. Vous voyez pas d'autre? Bon, allez, Adil Rami, il en met 4. Ouais. Allez, Adil Rami, il met 4 buts. Allez, hop, c'est une cote de ouf! Allez! Ah, Catherine et Liliane. Bonjour mesdames, un petit pronostic pour Amiens Olympique de Marseille, le match de foot de dimanche soir. Oh là, je sais pas, je souhaite de gagner, mais enfin. Amiens. Ah oui, voilà. Moi, je connais rien au foot et ça m'intéresse pas. Là, moi j'ai besoin de personnes âgées aussi pour ma séquence, c'est toujours merci, bien. Je suis pas âgée, mais vous êtes en pleine forme madame. Allez l'OM, allez l'OM. Ah non, c'est pas l'OM, c'est l'UNICEF. Vous avez les mêmes couleurs, alors moi j'ai pensé que vous étiez pour l'OM. Pardon. Amiens OM, c'est dimanche soir à 21h. Le score d'après vous? Vous aimez le foot? Oui, bien sûr, tout à fait, comme tout le monde. Ouais, comme tous les sportifs, vous êtes un sportif, ça se voit, il y a un truc là. Ouais, à part le ventre, mais sinon. Ouais, ça se voit pas, on dirait un coussin. Une fois que c'est passé. C'est pas le ventre. Un partout pour moi. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que vous pensez au match nul, mais déjà l'OM, ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Vous avez vu les déclarations d'Adil Rami? Il a dit ça ce matin dans la presse. Nous, les Marseillais, on va se les faire, les ch'tis, comme sur Énergie 12. Adil Rami, donc quand il dit ça, vous pensez que c'est de la provocation, c'est quoi? Il joue son rôle. Il dit on joue à Amiens, on va les niquer, quoi. Non, c'est, ouais. Ces enfoirés de ch'tis. Les niquer, c'est, de façon, c'est, oui. C'est la façon marseillaise. Oui. On est mieux que nous. On va pas le penser. Mais alors, vous le pensez, alors? On est moralement dans notre tête, on est mieux que. Bah voilà, ouais, là, Amiens, c'est Collège de France, c'est CNRS. Voilà. Alors que Marseille, c'est la chicha. C'est... Allez, l'OM! Oh merde, on va avoir des emmerdes, je me barre. On est à Amiens, ça craint, hein. Faut pas trop gueuler, allez l'OM. On va se faire engueuler sinon, hein. On va se faire enculer même. Ah, bah, non, dimanche soir, il va se passer quoi dimanche soir? Ah bah, ils vont gagner comme d'habitude, hein. Qui ça? Bah, les gagnants. C'est un bon pari. Non mais c'est bien, c'est un bon pari. Voilà, c'est fini. Je quitte Amiens sans praline et sans chouchou en direct de la fabrication, mais avec les yeux qui brillent et le sentiment du devoir accompli. En effet, Amiens est une ville magnifique et les Amiennois sont formidables. Et moi-même, je suis de mieux en mieux dans mon genre. Cher Winami, vous avez désormais toutes les clés pour bien parier sur ce Amiens Olympique de Marseille. C'est parié près de chez vous, revient bientôt dans votre ville ou votre canton, que ça vous plaise ou non. Big bisous.